L'entrée en ce moment même derrière moi, vous pouvez le voir, de Michel Rubérola et aussi d'autres élus du printemps marseillais. Une ambiance électrique à quelques minutes maintenant du conseil municipal électricité ambiante en raison de l'attente de ce troisième tour. Vous le voyez, Michel Rubérola qui prend le temps de saluer ses électeurs. Cette attente toujours très importante. Michel Rubérola qui discute aussi, qui prend aussi, j'imagine, les encouragements des électeurs avant de faire son entrée dans l'hémicycle de l'espace Bargemont. Attente évidemment pour ce troisième tour du scrutin des municipales à Marseille. On a pu rencontrer ces électeurs qui sont en attente autour de nous. Ils sont près de 500, nous a-t-on indiqué de sources policières, 500 à attendre le résultat. Et notamment, ils avaient pour la plupart un message pour Samia Ghali, vous savez, celle, l'élu des 15e et 16e arrondissements, un message pour lui dire, pour l'encourager à se rallier au printemps marseillais. À l'instant même, encore des encouragements juste avant l'entrée de Michel Rubérola pour ce scrutin. Mais dans cette attente pour les électeurs, ça risque de durer un petit moment. Et certains nous confiaient même tout à l'heure qu'ils regrettaient qu'il n'y ait pas d'écran géant à l'extérieur de l'espace Bargemont pour suivre en direct le conseil municipal.